déshumanisation. Acceptons-la. En cette époque de déshumanisation, nous avons besoin de relire la parole en creux de Maurice Blanchot. Quand écrire, c'est découvrir l'interminable. L'écrivain qui entre dans cette région ne se dépasse pas vers l'universel. Il ne va pas vers un monde plus sûr, plus beau, mieux justifié, où tout s'ordonnerait selon la clarté d'un jour juste. Il ne découvre pas le beau langage qui parle honorablement pour nous. Ce qui parle en lui, c'est ce fait que, d'une manière ou d'une autre, il n'est plus lui-même, il n'est déjà plus personne. Le « il » qui se substitue au « je », telle est la solitude qui arrive à l'écrivain de par l'œuvre. Il ne désigne pas le désintéressement objectif, le détachement créateur. Il ne glorifie pas la conscience en une autre que moi. L'essor d'une vie humaine qui, dans l'espace imaginaire de l'œuvre d'art, garderait la liberté de dire « je ». Il, c'est moi-même devenu personne, autrui devenu l'autre. C'est que là où je suis, je ne puisse plus m'adresser à moi et que celui qui s'adresse à moi ne dise pas « je » ne soit pas lui-même dans l'espace littéraire. Quand je suis seul, je ne suis pas seul. Mais dans ce présent, je reviens déjà à moi sous la forme de quelqu'un. Quelqu'un est là, où je suis seul. Le fait d'être seul, c'est que j'appartiens à ce temps mort qui n'est pas mon temps, ni le tien, ni le temps commun, mais le temps de quelqu'un. Quelqu'un est ce qui est encore présent quand il n'y a personne. Là où je suis seul, je ne suis pas là. Il n'y a personne. Mais l'impersonnel est là. Le dehors comme ce qui prévient, précède, dissout toute possibilité de rapport personnel. Quelqu'un est le « il » sans figure, le « on » dont on fait partie. La fascination est fondamentalement liée à la présence neutre, impersonnelle, le « on » indéterminé, l'immense quelqu'un sans figure. Elle est la relation qu'on le regard entretient. Relation elle-même neutre et impersonnelle, avec la profondeur sans regard et sans contour, l'absence qu'on voit parce que aveuglante.